Oh mon Dieu! Mon Dieu! C'est lui! Il est là! Demon Souls! Sur la PS5! Mon Dieu! Il est là! Regardez la PS5, la puissance! Le futur! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu! On est déjà tellement nombreux! Bien le bonsoir tout le monde, bien le bonsoir pour le playthrough de Demon's Souls, le remake! Le remake de Demon's Souls, incroyable mais vrai, nous sommes déjà plus de 80 sur ce live, merci à vous d'être là ce soir. Oh là là, ça fait tellement plaisir! Bien le bonsoir Maître Nicolas, bien le bonsoir Angelus, salutations Ogre! Darkness Galaxia, salut à toi, Sad Talker, salut à toi, bien le bonsoir Little Ghost, Julien, bien le bonsoir, Quintus Troll, salut à toi, Tof Tof, bien le bonsoir, Théo, salut à toi, Katakadiji, salut également à toi aussi. Mon Dieu, tellement de monde, Delph Panda, salut à toi! Delph Lucifer rejoint le culte du Bouya! Merci beaucoup Delph Lucifer pour le resub, incroyable! Et regardez cette cinématique qui va se lancer parce qu'on n'en branle pas une sur ce jeu, mais c'est beau ça! Oh là là! Je ne sais plus si je t'ai dit bonsoir Julien, alors dans le doute, rebonsoir. MK, salut à toi! Petit bout de pain, salut à toi aussi! Oh mon Dieu! Bon Dieu! Veronilove, bien le bonsoir! Abysphal, salut à toi! Oh là! Hachiman, bien le bonsoir! Alex Link, bien le bonsoir à toi! Arthas Demon, salut à toi! Je dis bonjour à tout le monde, c'est normal, on arrive! Bien le bonsoir, Spénol! Oh là là, tellement de monde! Dragon Slayer, salut à toi! Erolia, bien le bonsoir! Adema, salut à toi! Oh là là! Keitotsuki, bien le bonsoir! Frank Frost, bien le bonsoir à toi! Cornix, salut à toi! Et Yukina, bien le bonsoir! Angelus Draconia, salut à toi. Medux, salut à toi aussi. EGX Olaf, bien le bonsoir. Heisenberg, salut à toi. Dystopian, bien le bonsoir. Kalixa, bien le bonsoir. Tonin, salut à toi. Et Monsieur Kivita, bien le bonsoir. Alors pour ceux qui se posent la question, mais comment ça se fait? T'as une PS5? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Tu ne nous as rien dit? Ça fait un mois que ceux qui me suivent sur Tipeee le savent. Voilà. Ça fait un mois qu'ils le savent, donc c'est merveilleux. Oh putain, j'ai pas enlevé mon emote wall, merde. Attendez. Hop là. Voilà. On va enlever ça. Ça ne sert à rien en jeu. En tout cas. Et voilà, il y a de nouvelles emotes, hein, bien sûr. Faites-vous plaisir sur ce chat de l'infini. Donc comment ça se fait que j'ai une PS5? Je vais expliquer ça juste après pendant la création de perso. En tout cas, oh là là, mais tellement de monde. C'est beau de voir un chat aussi actif, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc en nouvelles emotes, on va faire la promo des emotes en premier lieu. On a donc un super Pog, PogChamp version Patrick. On a le solaire de la RNG. Voilà. Vous m'aviez demandé un Patrick triste, vous l'avez eu. Il est là, le fameux Patrick Stonks également. On va se mettre à jouer, hein, je suis désolé. Voilà, ils sont là, donc 4 nouvelles emotes, mais le Patrick Stonks c'est quand même merveilleux. Il est quand même merveilleux ce Patrick Stonks. Voilà, donc merci beaucoup à Pandox, en tout cas pour ces nouvelles emotes, un Pandoxide bien sûr, hein, mon plus vieil ami. Allez, en tout cas, on va se lancer une nouvelle game et en même temps après je vous expliquerai d'où vient cette PS5. Ah là là. On va devoir souffrir avec encore plus beau graphisme. Et oui, c'est ça qui est beau. Monsieur Lucien, salut à toi. Oh là là. De quoi l'argent des abonnés? Ah non, alors attendez, il y a un truc que je vais devoir vous expliquer, les gars. GDLDB, bien le bonsoir à toi. Eh non, petit bout de pain, je n'ai pas vu ça de la part d'un télo, je suis très triste. Pamplemousse en string, salut à toi. Benjel, bien le bonsoir. Ah là là. Alors, on va se lancer dans une nouvelle game, je sais pas trop sur quoi, mais voilà. Ah oui, ce sera sur YouTube, mais dans très longtemps. Parce qu'on a plein d'autres vidéos à sortir avant, donc on n'a toujours pas fini l'aventure sur Dark Souls 2 qui date d'il y a un moment, t'imagines. Alors, est-ce qu'on se fait. Alors, est-ce que je fais le type de silhouette qui me correspond mieux, c'est-à-dire sec?
mais pas énorme. Ou le type de silhouette B où je suis ultra mastoc. Allez, on va peut-être pour les muscles. Ben Dieu, qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Va falloir faire des créations, mais oui! Mais oui! Julien, merci beaucoup pour les 1 bits qui font plaisir! Oh là là, merci beaucoup. Maintenant, tu pourras avoir tous les Souls sur une même console. C'est ça qui est beau, parce que beaucoup de gens me demandaient de refaire du Demon's Souls, mais j'avais pas la PS3 à portée de main, et c'était un peu la merde. Alors, c'est normal si vous entendez pas trop le son du jeu, y a pas de son. Alors, qu'est-ce qu'on va putain se faire? Le choix de la classe. Alors, attends, déjà, nom du joueur. Moi, c'est Raven, enchanté. Voilà. On va même aller plus loin. Voilà. Ensuite, 2 heures de live pour la création, c'est ça. Je vais encore me prendre ce fameux commentaire que j'avais eu à l'époque pour Code Vein. Oh, merci pour les 30 bits, Little Ghost, merci énormément. Je vais encore me prendre ce commentaire que j'ai eu pour Code Vein. J'avais uploadé 2 heures pour la première partie. J'avais uploadé 2 heures en me disant, bah c'est plus qu'une heure. Et vu qu'il y a 1 heure de création de perso, bah voilà, au moins personne n'est lésé. Et je me suis quand même fait détruire. Hein. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai que sur YouTube, c'est compliqué d'accélérer, tu vois, la vidéo si jamais t'as pas envie de voir ça. Enfin, c'est pas grave. Et donc du coup par rapport à la... Alors attendez, je choisis ma classe et ensuite quand on créera le perso, je discuterai de ça. On va faire comme ça. Je ne repousse pas l'échéance, hein, c'est vraiment juste, on va en parler au moment où ce sera le plus creux. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Soldat. Je sais vers quelle arme je vais m'orienter, mais je ne sais pas encore les stats. Exaluna, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Ah là là. Alors. Mais vous êtes en feu ce soir, vous êtes en feu. Kanji rejoint le culte du Pouya. Merci beaucoup à toi Kanji, merci énormément pour le resub. Putain, ça fait déjà 37 mois quoi. Hein. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bien le bonsoir Zek. Bien le bonsoir à ceux qui arrivent. Alors, soldat, c'est quoi? 14 de vita, 9 d'intelligence. Moi, il me faudrait. Alors, pour ceux qui pensent que je vais utiliser un build de magie pour rouler sur le jeu, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Angelus a même une conversation sur Discord. Voilà, je veux dire, pour lui dire que j'étais là. Non, je ne ferai pas de run redécouverte de Demon's Souls en prenant de la magie. Je suis pas un putain de connard. Non, on va faire un build classique et un build qui n'est pas pété parce que la magie dans Demon's Souls, c'est complètement craqué. Tu one-shot des boss, bon, c'est un peu chiant. Putain, mais qu'est-ce qu'on se prend? Qu'est-ce qu'on va se prendre? Parce que le chevalier. Pff, non, je veux pas de la force. Je voudrais bien de la dex. Je me suis plaint de la dex il y a pas longtemps, donc je vais prendre de la dex. Qu'est-ce qui correspond bien? Le chevalier du temple. 12 de dex, 14 de force. Et 13 de fois, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va... Ouais, je pense qu'on va prendre ça, non? En plus, j'ai un style assez particulier là, hein. J'ai déjà une très grosse armure. Par contre, 100% sûr, on est trop lourd. Hein. Avec un truc pareil, on est trop lourd, ça c'est sûr. Ah, il n'y a pas de build mendiant, par contre, c'est vrai que je suis assez... Attends, si, t'as... Ah, t'as le barbare. Éventuellement, t'as le barbare, qui n'est pas pyro barbare, mais t'as le barbare quand même, qui a pas des stats de fou, qui a quand même 11 de magie, 15 de force, 13 d'endu, 15 de vita. Ouais, c'est la brutasse. C'est la brutasse. Et on a un don de départ. Je me souvenais pas qu'on avait un don de départ dans Demon's Souls. Ça fait à peu près 4 ans qu'on n'a pas joué au jeu, hein, de base. Le jeu sur PS3, je parle. Donc ça fait quand même un moment. Bien le bonsoir, Bob le Furieux! Donc ça fait 4 ans à peu près qu'on n'a pas joué, donc veuillez me pardonner. Alors on peut avoir l'anneau providentiel dès le début, c'est pas mal. Les chances de découvrir des objets. En vrai, l'anneau peut être une bonne idée, hein, parce que logique de conseil, je m'en fous. La gelée d'herbe restaure peu à peu des PV à l'utilisateur, je m'en fous. L'élixir, on s'en fout. L'eau claire restaure des PM. Ah oui, tu bois de l'eau et ça te restaure des PM, c'est pas mal. En vrai, l'anneau providentiel, je dis why not, hein.
T'as plus de chances de découvrir des objets en début de jeu. C'est quand même goldé. C'est quand même goldé. Gérald166, salut à toi. Et salut GridSSB. Et Drid, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Alors. Création sauvegardée. Option de base. Apparence. Ok. Antares, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Vous allez me dire que je suis aveugle, mais c'est quoi la différence? Ah non, c'est qu'il est un peu plus recroquevillé en style. Oh non, style A. Voix D. Comment t'écoutes la voix? Pas si vous avez remarqué, mais. Regarde cette expression faciale! Ah, ça s'entend bien. J'augmenterai peut-être le son du jeu. J'augmenterai peut-être le son du jeu s'il le faut. Hola, mamacitas. Là, c'est le moment où ta mère doit pas rentrer hein, dans ta chambre. Sinon, elle va croire que tu regardes une espèce d'orgie dégueulasse. Alors que non, tu ne fais que regarder Raven qui joue à Demon's Souls. Allez, vois-eux, ça ira très bien. Je n'ai pas de télé 4K, non. Non, ma télé, elle est 1080p. Ah là là. Je suis en soirée, je passais juste faire un petit coucou à devoir ta rediff. Bonne redécouverte. Mais pas de soucis, Gorgie. Bonne soirée à toi et merci d'être resté jusque-là. Oh là là. Merci quand même d'être passé, plutôt, je devrais dire. Et vous êtes 131, putain, mais c'est énorme. Merci beaucoup à vous d'être là. En tout cas, ce soir, ça fait bien, bien plaisir. On faisait du speedrun sur Bloodborne. Et là, je me suis dit, bon, on va un petit peu modifier tout ça. Nice! Nice! Oh! La barbe qui serait. Oh là! What the fuck? Bah putain, on dirait, tu sais, le. Quand tu fais du. Merde, du pif, là, tu sais, création de perso automatique et tout, et que, je sais pas, d'un coup, le jeu, il te dit, oh tiens, tu tombes sur un truc correct. Ok, bon. Ok. Il n'y a pas vraiment de modèle prédé. Il y a des modèles quand même particuliers. Hein. On va pas se mentir qu'entre les vampires et. Ouais, non, il y a quand même des trucs chelous. Hein. Voilà. Il est classe, lui. Et lui, il est plutôt bien fait, lui. Lui, il est plutôt bien. On va. Attends. On va se prendre un modèle prédéfini. Voilà. Couleur de peau. Je le veux pâle. Voilà, je le veux couleur blanc merde de laitier, s'il te plaît. On va passer 3 heures dessus, ça va être immonde. On va passer 4 heures sur ce putain d'écran. Comme ça. Oh là. J'aime bien ça. Ah mais attends, après t'en as encore plein. Waouh. Ok. Ok. Non, le 2 est bien aussi. Attends, j'avais mis combien moi, le 7? Bon, ça revient à peu près au même. Hein. Ok. Sourcils! Ah, les sourcils, c'est important parce que je les veux pas trop épais non plus. Ah, voilà. Tu vois, ça me va. Ça me va très bien. Et en plus, en même temps, tu choisis les couleurs. C'est beau, ça. Jojo la Pampa, salut à toi. On sait jouer à Demon's Souls sur PC. T'as des émulateurs, mais je t'expliquerai pas comment on les installe parce que c'est pas très légal. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Ok. Alors. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Oreilles. Ah, les oreilles. Attends, mais j'ai pas fait les yeux du coup. J'ai pas fait les yeux. Tu vas nous refaire une code vein. Ah oh oui, 4 heures de création de perso.
Vu la tête du perso, il sait déjà qu'il va morfler. Nice. Du coup, pour la PS5, parce que je suppose que vous vous demandez tous pourquoi et comment j'ai eu cette PS5. En fait, tout simple, comme je vous l'ai dit, moi j'attendais tout simplement bêtement Noël de cette année en me disant éventuellement je me la choperai là, si voilà, s'il y a des trucs, si on la chopera à ce moment-là en fait. Je me suis dit ça et. Voilà. D'accord. Non, on va garder ça. Par contre, couleur des yeux. Comme ça. Très bien. Et ça. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ça, tu sais que c'est compliqué de faire deux choses en même temps? Je sais pas si tu le savais. Donc oui, à la base je voulais attendre. Et finalement, en fait, bah, je vais pas le cacher, je vais pas le, voilà. My mind is crazy. Merci beaucoup pour le resub. Merci beaucoup à toi. Ah, de continuer à rester dans la communauté restreinte du Booyah. Merci beaucoup à toi. En tout cas, bien le bonsoir. Et oui, donc j'ai la PS5. Je suis en train d'expliquer pourquoi d'ailleurs. Et en gros. Angelus m'a fait un petit cadeau pour Noël, enfin pour la fin d'année dernière, en me disant, hey mec, je te régale. C'est moi qui, tu vois, je te régale. Tiens, voilà la PS5. Et tu sais, j'étais là. Ok, bah c'est cool. Du coup, j'étais là en mode, ah bah yes, bon bah parfait. Et après, je lui ai dit, attends, mais je peux pas, faut que je termine ce que je suis en train de faire d'abord. Il faut que je termine ce que je suis en train de faire sur la PS4. Darkness Galaxia, oh là là! Mon Dieu, Darkness Galaxia qui offre un sub! Merci beaucoup! Merci beaucoup, Darkness Galaxia! Putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je finis ce que je suis en train de faire sur PS4, et là je fais du speedrun Bloodborne et tout. Et après, une fois que j'aurai terminé mon petit cycle de trucs, on s'y met. Et comme je sais que je suis en vacances une petite semaine fin mai. Faut pas non plus commencer trop tard l'aventure. Et du coup, bah là, c'était le moment idéal puisque le speedrun de Bloodborne, ça commençait un petit peu à me chauffer. Donc j'ai mis un peu en pause et voilà quoi. Mais ça fait plaisir. Ça, donc merci beaucoup Angelus, hein, remerciez-le. Remerciez-le parce que c'est grâce à lui que là, ce soir, on se fait du petit Demon's Souls. Écoutez. Voilà. Bon, on fait des trucs simples, hein. Moi j'ai pas envie de passer 2 heures, qu'on sait tous très bien qu'on va mettre. Ah, petites lèvres. Des petites lèvres. Une mâchoire. Non, pas de fossette plus que ça. Ah, les cheveux, ça c'est important ça. Ça, les cheveux, c'est important. Moi je voudrais des cheveux courts. Mais. Ah, ça c'est pas mal. Ça en vrai, moi ça me va, hein. Franchement. Ça c'est moche. Ah, ça aussi c'est bien. Ça fait un peu Final Fantasy, tu sais. Mais je trouve que ça va pas avec le perso que je suis en train de faire, tu vois. Non, en vrai, on va pas. Hop. Ça va bien. Par contre, la couleur, t'es gentil. Des cheveux blancs ou gris, on s'en fout. Voilà, c'est pas mal ça. Alors après, par contre, on va virer la cicatrice, parfait. Et la pilosité, ah, on va mettre un peu de. Oh oui, oh oui, oh cette moustache, oh cette moustache du désir. Alors là, les amis, mais c'est Ducrot qui se décarcasse. Hein, là, rien que pour vous, ce soir, on va l'appeler Ducrot. Père Ducrot, ou Père Dodu, comme tu veux. Oh, cette moustache du plaisir. Non! Mais non! J'essaie d'aller vite hein, dans la création de perso. Hein. Je sais que pour certains, c'est genre, putain, il prend tout son temps, mais je te jure que non. Hein. On va lui mettre un peu de barbe. Oh. J'aurais aimé un truc style, tu sais, mal rasé, tu vois. Ah oui! Ah oui, alors là, on est sur quelque chose de bien, là aussi, hein. Ah oui!
Non, mais je veux pas un perso moche en fait. Il ressemble à Monsieur Tout le Monde en fait, hein, finalement. Il ressemble un peu à Monsieur Tout le Monde. Ah putain, mais c'est comme la gardienne de feu. Gardienne de feu, non, c'est. Comment elle s'appelle, la jeune fille en noir dans ce jeu? Oh, écoute, ça ira très bien, hein, on va pas passer 12 heures. Voilà, regarde, il est là, il est beau, il est présent, mon perso. Il sait qu'il va prendre cher, il sait que. Voilà, bientôt ses fesses seront aussi larges qu'une piste d'atterrissage pour un avion. Et puis voilà. Voilà. Quoi les types, bien le bonsoir à toi, bien le bonsoir à ceux qui viennent d'arriver en tout cas. Écoutez, on va commencer notre aventure. Eh, j'aurais pas mis longtemps, ça va. C'est bon. On ne me gueulera pas dessus. Alpha Cast. Putain, je. Oh, j'admets. J'admets qu'il y a un air. Oh, j'admets qu'il y a un air d'Alpha Cast là-dedans. Oh putain! Oh dur! Oh merde! Bon bah, allez, Alpha Cast. Ah, attends, le nez, je suis pas d'accord avec ça. Juste un truc. Je suis juste pas d'accord avec le nez. En fait, moi, je veux un nez, tu vois, qui soit parfaitement lisse et droit. Voilà. Parfait. Oh, j'avoue qu'il y a un nerf en vrai, hein. Ah, c'est. Ah là là, mais c'est. Oh, vous êtes bon! Oh, vous êtes bon ce soir! Oh oui! Bon, bah, allez, avec Alpha Cast, on va partir à l'aventure, let's go. King Alant the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog. N'hésitez pas à me dire pour le son. Outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Velifax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had roused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber. And that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls lose also their minds. The mad attack the sane and chaos reigns. Velifax also spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors lured by the possibilities braved the fissure to breach the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yet the Silent Chief. Saint Urbane. Skerva the Wanderer. The sixth Saint Astraea with her Night Garl Vinland. And Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Oh, has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Brave soul who fears not death. I shall guide you to the fissure. Putain, ces couleurs. So that you may lull the old one back to slumber.
ça, c'est tellement beau. C'est tellement incroyable. Oh là là. Bon, par contre, j'ai une vieille hallebarde pétée. Et quelque part, vous savez, ça me rappelle mes débuts sur Demon's Souls sur PS3. J'ai commencé par celui-là. Et en fait, j'avais pris ce guerrier-là en premier. Et à chaque fois, ma hallebarde se tapait contre les murs. Donc je trouve que c'est plutôt raccord, en fait, de commencer le jeu avec ce perso-là. Bien le bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, en tout cas. Bien le bonsoir à vous. Installez-vous confortablement. Franchement, ouais, c'est vrai que tu ressens bien le truc, quoi. Alors, attends, putain. Parce qu'il faut que je m'habitue à jouer à ce jeu avec cette manette. Ah, lui, il t'attaque pas. Boum. D'accord. Même pas tu one-shot. Fais voir un peu. Oh là là. Oh là là, on va tout de suite faire quelque chose. Oh là. Ah putain, on me voit derrière, regardez. On me voit derrière. Oh putain, alors ça par contre, c'est une... Je sais pas si c'est la bonne idée, ça. Je sais pas si c'est la bonne idée. Hmm. Ok. Le fait de... Tu vois, t'es derrière là, mais ils te mettent tout l'écran, c'est bizarre. T'es en mode perf, je sais pas, j'ai rien touché moi. Ah ouais. Favoriser les perfs du jeu ou la fidélité visuelle. Vous voulez le mode cinématique? Bon, je sais pas ce que ça va changer. C'est mieux là? Vous trouvez que c'est mieux? Oh, je sais pas, faut me dire. Alors, on va s'enlever le casque. Voilà, Alpha Cast, il est là, il est présent. Et peut-être s'enlever ça aussi. Putain, mais même comme ça là, je fatrole. Putain, mais oh, c'est quoi ce machin? Voilà, les voilà les roulades, les belles. Perf, c'est mieux. D'accord. D'accord. Bah, c'était en mode perf, hein, les gars. C'était en mode perf. Voilà. Voilà, nous sommes revenus à ce que c'était au départ. Donc nous jouons hors ligne. Vous allez me dire, mais pourquoi hors ligne? Parce que j'aimerais bien faire la tendance des mondes. Et que pour ça, ben... faut jouer hors ligne. Oh là là. Ok, les parades, c'est pas pour aujourd'hui, hein, visiblement. On va faire comme c'est notre découverte. Alors, bon, le son du jeu, apparemment, vous me dites qu'il est bon. J'espère qu'en jeu, ce sera pareil que pour les cinématiques. Ok, je peux peut-être avoir les deux. Non, non. Les deux en même temps. Ok, alors il faudrait vraiment que je me trouve une autre arme parce que ça c'est juste pas possible. Putain, mais ça rappelle tellement de souvenirs. Et c'est putain de beau. C'est vrai que là ils ont une vitrine graphique qui est vraiment très très sympathique. Ok. Donc là nous sommes dans le tutoriel en fait. C'est-à-dire qu'on peut skipper cette phase. Mais pas dans notre toute première aventure. Mais après, c'est une phase que l'on peut skipper, le tutoriel. Donc tout ce qu'on fait là, en fait, c'est juste pour avoir quelques petits items en plus, te familiariser au jeu, voilà. Ok, et puis comme ça, tu récupères des herbes de croissant de lune et tout, donc c'est pas mal. Comment je passe ça? Ok. Ça aurait été mieux de faire croix pour passer de l'obstacle, mais au rond ça me va aussi. Alors attends, je crois qu'ici il y a des ennemis qui te sautent dessus. Ok, il faut y aller prudemment. Oh putain! Waouh, cette roulade! Cette roulade de malade! Vous êtes 150 sur live, c'est incroyable. Merci beaucoup encore une fois vous d'être là. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Déjà que j'étais refait de me dire ouais, c'est un truc de fou. On a doublé de nombre de viewers maintenant sur la chaîne Twitch. Avant on tournait à 40 personnes, maintenant on tourne à environ 80. Et là aujourd'hui 150, ok, tout va bien. Ok,
évidemment, ce sera sur YouTube, mais dans un long, long moment. Et d'ailleurs, pour ceux qui regarderont ça dans le futur sur YouTube, nous sommes aujourd'hui le 13 mars. C'est ça, hein ? Oui, 13 mars. Il est 21h45. C'est incroyable. 13 mars 2021. Il n'y avait pas un mob qui te sautait dessus quand t'étais là ? Je sais plus. Putain, il y a un item là. Herbe du croissant de lune. En tout cas, j'espère que vous n'entendez pas la PS5 souffler. Elle n'a pas l'air de faire trop de bruit. Hop là. Parce qu'il y a des moments en fait, quand la PS5 elle veut faire du bruit, elle en fait genre installation des jeux, trucs comme ça. Oh putain. La hype Raven PS5 normale. On va en faire des backstabs, on va essayer d'en faire là. Mais c'est... Oh putain. Oh, lui il est costaud. Ah par contre c'est bizarre que la vie elle se... C'est bizarre que la vie elle descend direct et que t'as l'animation après. Ce serait pas plus logique de faire correspondre la diminution de la barre de vie avec l'animation en cours. Du genre tu lui mets un coup, il est pas encore mort et sur le dernier coup il perd toute sa vie ou je sais pas. Ok, les roulas, les par... Ok, bomber. Pas encore ça, hein, c'est pas encore ça, on va y arriver. Oh, monsieur SKX! Oh là, comment va-t-il? Que fais-tu de beau ici? Tu t'es perdu? Oh là, SKX qui nous honore de sa présence et de ses sages lumières. Ta soeur, oh, attends. Et ma parade, elle est pas passée, tu vas me dire. Attends, vas-y. Ok, d'accord. Nique-toi. Putain, mais... Oh, y'a un truc que je piche pas, là. Oh là là. Majesté. Raphaël, merci beaucoup pour le resub. Incroyable. Depuis 4 mois, déjà. Oh, c'est un peu chiant, là. Ah oui, d'accord. Ah oui, la régène. Oh, la régène ultra bâtarde, quoi. D'accord, je suis ici. Hein. Oh, c'est des ondis, c'est SKX. Hein. C'est des ondis, le fait que tu modes tes jeux. Oh, par contre, la régène... Oh, la régène est vraiment à chier, par contre. Bah, je m'attendais pas à ce que ça me soigne complètement, tu vois, mais bon, un petit peu plus, quoi. Bon, on va tenter plutôt les... J'ai envie de tenter, tu vois, de le parer, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas. Enfin, je me réentraîne quand j'aurai plus de patates. On va faire des backstabs pour l'instant. Ah. D'accord, jamais je te pète le boubou. Putain, je déteste les hallebardes. Ok, d'accord. Il suffit de bourrer R1, comme toujours dans ces jeux. C'est faux. Ça fait tellement plaisir de découvrir ce jeu. Attention, un item gratuit, est-ce qu'il y a un piège? Non. Herbe de la demi-lune. Ah. Ah, j'ai même un sort de soin, j'avais pas fait gaffe. Ah, c'est peut-être pour ça en fait que ça me soigne pas beaucoup. Herbe du croissant de lune, c'est beau, fais voir. Ah, tu peux switcher entre deux trucs rapides comme ça, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Ok. Et donc du coup, je dois avoir... Non. Oh, quelle connerie de mettre le talisman ici. À la place de ton arme. Ah, on me l'a offert, Haunted Hill. On me l'a offert, Angelus me l'a offert, la PS5. Donc, voilà. Sur le coup, tout va bien. La Raven Production n'aura pas perdu beaucoup d'argent, du coup. Mais je remercierai Angelus si un jour on arrive à se revoir avec toutes ces histoires. Ah là là. Oh mon dieu. Avec toutes ces histoires de virus. Ok, nice. Ok.
Je sais pas si je rate des items ou pas, j'ai pas l'impression pour l'instant. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Par là-bas, je sais qu'il y a un item. J'abeille te donne beaucoup d'herbe. Oh putain! Oh putain! La sixième archipierre n'a pas été touchée. Non, non. En même temps, ce serait un petit peu rigolo de se dire. Bluepoint, qui n'a rien à voir avec From Software, ils vont recréer tout un niveau, tu vois, de. Ils vont recréer tout un niveau et tout. Non. Après, c'est intéressant, c'est de savoir s'il y a quelque chose derrière l'archipierre. Est-ce qu'ils ont quand même modélisé un bout de niveau ou pas? Ok. Tu la sens venir à la mort? Putain. Tu la sens venir la mort pourrie? Il est trop beau. Il est trop beau et il est trop fluide aussi. Ah oui, les dégâts du plaisir. T'as cru que j'allais passer 2 heures là-dessus, moi. D'accord, ok. Ah bah non, je vais peut-être passer. D'accord. Okay. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal comme ça, hein. Putain, oh. Franchement, moi je trouve que ça se passe plutôt bien. Yes! Je déteste les halbardes. C'est définitif. Ah, ce sera plus simple avec de la magie. Tu restes à distance et tu le piou piou dans sa gueule. Oh mon dieu! Tes pieds! Oh Miyazaki, donne-nous des pieds! C'était le boss tuto. Faut recréer un perso, ouais, pour le refaire, parce que même si vous faites DNG+, normalement, vous le recroisez pas. Bon, bah c'est cool, et maintenant j'ai plus que la moitié de ma barre de vie. On aime ça. On apprécie. C'était le first try du boss. Ah, écoutez. Pourquoi il y a une tache de sang? C'est la mienne? Non? C'est une tache de sang. Ah, mais non, c'est... Je crois que c'était ma tache de sang pour récupérer mes trucs, mais non. Oh, t'as changé de tête. T'étais un peu plus pâle dans la version... dans la version PS3. Oh, majestic. Vincent qui rejoint le culte du Booyah! Merci beaucoup à toi, Vincent. Merci énormément. Bien le bonsoir à toi, en tout cas. Alors... I'm Stockpile Thomas. Oh mon dieu! Majestic. Mon dieu, mais c'est quoi tous ces sub-gifts? 20 sub-gifts, Delta, mais qu'est-ce que tu fous? Majestic. Le mec, il est en train de nous raconter sa vie, tu sais. Oh là là, ma femme et ma fille sont mortes, elles sont pendues dans le château. Oh, merci pour les subs. Ah merde, c'est vrai que dans ce jeu, putain, ils le prennent mal quand tu te barres. Excuse-moi. Quitter. Voilà. Parce que dans ce jeu, en fait, les PNJ... voilà, spammer l'emote stonks. Voilà. Bah, merci beaucoup, Delta. Merci énormément. C'est incroyable. Merci énormément.
Ah, vous pouvez le remercier, hein, putain. Oh. Majesté. Alors là, maintenant, vous pourrez vous la péter avec tous vos nouveaux, toutes les nouvelles emotes en plus. C'est merveilleux. Les mode stonks. Oh merde. Attendez, c'est le moment de faire péter. Ah putain. Voilà. Oh non. Majesté. Oh mon dieu. Allez, vas-y, regardez les emotes stonks là. Elles arrivent. Mon dieu. Oh mon dieu. Majesté. Oh mon dieu, le stonk c'est réel. Oh merde. Oh non, c'est incontrôlable. Majesté. Oh non, mais c'est incontrôlable ce qui est en train de se passer. Oh merde. Oh le stonks. Le stonks. Majesté. Oh mais c'est incontrôlable ce qui est en train de se passer là. Oh mon dieu, ça y est, on ne contrôle plus ce chat, putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Majesté. Oh mais merde. Oh là. C'est fini? Ah non, ça continue! Majesté. Allez, tant qu'il y a des subs, on continue! On bourre le stonks! Moi, pendant ce temps, je visite le Nexus, hein, je monte mes pieds aussi, hein, normal. Je me mets à l'aise. Majesté. La fameuse archipierre, hein, bien sûr, qui est archipété, hein, voilà. Oh là là, mais le stonks! Majesté. Le stonks, quoi. Je vais jouer sérieusement, j'attends juste que les subs soient finis. Parce que le son des subs est assez fort, parce que j'ai augmenté le son d'OBS. Je savais pas que Demon's Souls était un jeu qui était aussi faible. Donc voilà. Tout simplement. Mais merci beaucoup, Delta. Merci énormément. Voilà, vous avez l'air d'aimer ce stonks, c'est bien. Oh putain. Ah les emotes qui se baladent à l'écran, après je vais l'enlever, mais c'est juste que... En fait je l'active, je la désactive quoi, là c'est le bon moment pour la laisser activer, c'est tout. On va pouvoir aller à l'archipierre du petit roi aussi. Va falloir qu'on se change d'arme aussi. Est-ce qu'on peut acheter une arme à ce monsieur? Y'a rien de sérieux. Y'a rien de sérieux, bordel de merde. Y'a rien de sérieux. Oh le stonks, quoi. Majesté. Y'en a encore pour longtemps, vas-y, fais voir. Non, je crois que c'est le dernier. Oh là là. Oh là, toutes ces emotes. Allez, dans 10 secondes, j'arrête ça, attention. Dans 10 secondes, c'est bon, y'aura plus rien. Allez, c'est désactivé, c'est bon. Oh putain, allez, on retourne dans le jeu. Oh mais merci encore une fois Delta, merci beaucoup. Oh là là. Est-ce qu'on se prend une épée courte ou une hache? Ah la hache, attends, je peux peut-être pas... Ah, la hache en vrai, fais voir, attends. Bah, en fait, c'est pas que je suis pas intéressé mec, c'est que je suis complètement fauché. Fais voir mes stats. En vrai, j'ai 14 de force et 12 de dex. En fait, le right move... Venez, on va faire un truc. Ah putain, on peut pas. Je serais allé dans le monde 2 et je me serais allé dégoter l'âge de Carbroyante sinon. On va faire le jeu normalement. Un imposant château de pierre en plein cœur du royaume nordique de Boletaria. Des soldats affamés dont les âmes ont été volées par des démons attaquent les intrus et de terribles dragons ont établi ici leur repère. Let's go. Content de revenir dans ce monde. Putain, mais ouais. Très très content. Salut Jeff Zappa. Eh oui, j'ai une PS5, il faut remercier Angelus pour ça. Et Concombre, salut à toi. Depuis quand la PS5? Depuis pas longtemps. Non, en vrai, le plus drôle sur la PS5, c'est que je l'ai depuis fin décembre, début janvier. Elle était dans le carton depuis. Hein. Genre, je l'ai installée que dimanche dernier. Ou non, lundi soir même. Je l'ai installée lundi soir. Donc imagine le bordel, ça fait depuis... Ça fait 2 mois que la play, elle attend, elle est là. Bon, c'est quand tu veux, frère. Hein.
Je veux dire, à un moment... Ok, donc ça... Ah oui, c'est vrai que tu ne peux pas te reposer. Vous savez, on m'a toujours dit, pour toi, quel est le jeu Souls le plus dur? J'ai toujours répondu que pour moi, c'était le premier jeu Souls auquel tu joues. C'est pour ça que cette question est moyennement pertinente. C'est toujours ta première aventure sur ces jeux qui est la plus importante et la plus difficile. Et pour moi, bah, c'était Demon's Souls. Et en plus, il y a une petite subtilité dans Demon's Souls. C'est que tu n'as que une archipierre, donc un feu de camp, un point de sauvegarde, un point de restauration. Tu n'en as qu'un dans tout le monde. Enfin, dans tout le niveau, pardon. Parce que le monde est composé de plusieurs niveaux. Mais dans le niveau, tu n'as qu'une archipierre. Donc il faut faire le boss avec cette même archipierre. C'est là que c'est compliqué, en fait. Donc comme j'ai dit, encore une fois... Ok, d'accord. Donc comme j'ai dit en début de stream, ce n'est pas ici que vous verrez de la magie. Parce que j'ai pas envie de faire une run découverte, redécouverte plutôt, du jeu avec de la magie. Je trouve que c'est complètement con. Il y en a qui ont fait ça, écoutez, tant mieux pour eux, mais moi non, c'est vraiment pas mon... Parce que je connais un peu le jeu quand même. Et je sais que la magie, c'est complètement pété, donc voilà, c'est... C'est... Non. Donc pour ceux qui n'ont pas encore le jeu, vous le saurez maintenant, quand vous aurez peut-être une PS5. Hop là. C'est la magie, ça tue tout, c'est trop puissant. Ok, yes. Il me faut vraiment cette bague. On a vraiment pas beaucoup de vie. Hein. T'en connais beaucoup des jeux Souls où tu commences avec aussi peu de vie? Parce que vraiment. En plus, à chaque fois, tu te fais gangbang, bordel. On sait tous que tu as acheté 10 PS5 à faire gagner en giveaway. Ah, ce serait marrant, ça. Ce serait pas mal, en effet, mais non. Non mais vraiment, c'est... J'ai pris la classe Templier, Chevalier du Temple, qui a une vieille hallebarde pétée, que j'ai hâte de me débarrasser. La première arme qu'on trouve, laisse tomber, hein, la hallebarde, je pète le bâton en deux, et je fais fondre le... je fais fondre le bout, là, de la lance, et je vais m'en faire un collier. Aïe. Et nous allons simplement mourir. Putain, lui, il avait pas l'arme en feu. Oh putain, les effets de feu. Voilà, la seule chose qui est bien sur ces armes, c'est la portée, je pense. Hein. Oh, la térébenthine. Nice. Et oh Louis, bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Non, mais ils avaient pas des armes en feu. Mais c'est quoi ce bordel? Ils ont jamais eu d'armes en feu à ce niveau-là du jeu. Ils ont changé des trucs. Ils se sont pris quelques petites libertés. Bon, après, c'est tant mieux. Hein. Ça te fait de la petite térébenthine directe. Encore une fois, nous jouons hors ligne pour pouvoir avoir cette fameuse tendance des mondes. On aimerait quand même bien un playthrough complet, hein. Même si j'ai aucune idée de comment ça marche déjà. Je crois que c'est tu tues des boss, t'as la tendance blanche qui s'illumine. Voilà, toi tu meurs. Vas-y, vas-y, tombe petit. Non, voilà, parfait. Et si tu meurs sous forme humaine, la tendance va aller vers le noir. Je crois que c'est ça. Ok, yes. Tu vois, c'est de la merde ces armes, putain, ça se cogne contre tout. Size matters. Ça, allez, avec notre perso Alpha Cast. Mais vraiment, j'ai pas fait exprès, bordel. C'est ouf, quoi. Ah, oh, une situation dangereuse ici. Voilà, beaucoup moins dangereux. Voilà. Putain, qu'est-ce que je déteste ça. Tu vois, ça, c'est ce que j'adore, c'est la classe... Ouais, franchement, Chevalier du Temple, c'est la classe aux meilleures stats, d'un point de vue équilibre, mais bordel, c'est le mode difficile du jeu. Parce que tu commences, tu fais des fat rolls, donc des roulades dégueulasses, tu ne le sais pas forcément, donc du coup tu te dis, putain, mais je comprends pas, je me prends tous les dégâts... Ok, d'accord. Je me prends tous les dégâts, je comprends rien... Hop là, les pommes. Oh putain, et... Je crois que c'est les pommes les plus belles que j'ai jamais vues dans un jeu vidéo. Sans déconner. Hein. Hop là. La hallebarde, elle se coince. Tu vois, regarde.
T'es dans des trucs comme ça, là, hyper étroits. Tu vas pour taper, tu tapes contre les murs. Ça qui est dur, en vrai. Oh là là. Oh merde, je l'ai pas aggro les deux. Attendez, on va se barrer. Avec un peu de chance. Alors, on va voir le tracking des ennemis, tiens. On va tester le tracking des ennemis pour voir s'il est bien ou pas. Puis on va surtout voir leur débilité aussi. Come at me, bro. Ok, très bien. Non, mais c'est bien, l'IA, elle est toujours aussi... La même IA que... Voilà, la même IA qu'en 2009. Shwin Dede. Oh là là, rejoins le culte du Booyah. Merci beaucoup pour le resub. Merci énormément à toi pour le 3e mois d'abonnement qui fait bien plaisir. Ok. On va se soigner. Voilà, il y a besoin. Il y a besoin, il y a besoin. T'es en ligne. N'importe quoi. Je me suis... Attendez, je me suis mis exprès en ligne. Sérieux ? Putain, mais je suis encore en ligne. Déconnecte-moi. What? Ok. D'accord. Et Dark Souls, PS5, bienvenue. Bienvenue dans la communauté astrale du Booyah. Est-ce que je suis déco ou pas? Ah mais dans le jeu, oh. D'accord, alors attends, comment ça marche dans le jeu? Comment tu fais pour te déconnecter? C'est où? What? Ah, attendez, attendez, attendez. Il faut que je me déconnecte. Paramètres, réseau. Ah! Ah ah ah! Merci! Putain, j'ai failli faire une connerie, moi. Restez en ligne. Ah. J'ai toujours joué à Demon's Souls, enfin au jeu Souls avec les voix françaises, donc. Avec les voix anglaises, putain, je dis n'importe quoi. Ok, nice. Bon, c'est quand qu'on a une vraie arme? Parce que la hallebarde, ça pue la merde. Ah! Allez! Oh, vin dieu! Quelle est cette arme? Quelle est la portée de cette arme? Ah, c'est bien, avec ça, je pourrais peut-être faire des dégâts. Putain, par contre, j'espère que ça fait des dégâts en vrai. Vas-y, fais voir. Ok. Ah, ça va, c'est pas mal. Cet homme qui fait le jeu avec une dague. Bon dieu, je me souvenais pas que c'était une dague ici, je pensais que c'était une espèce de pseudo rapière. Voilà. Nice. Un opinel. Bon bah les gars, on va aller se couper du sauciflard, hein, tout en se racontant nos meilleures anecdotes sur le jeu quoi. Aïe. Ah ouais, j'ai voulu courir, évidemment. Ah non mais attends, mais là ça devient dur là. On va tester le soin avec ça. Merde. Oh nice, nice. Oh ce soin divin. On est d'accord que là j'ai envie de reprendre la hallebarde. Bordel. Pourquoi je joue en hard mode comme ça? On va tomber. Ah non. Ok. Herbe du croissant de lune. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Nous gérons. Oh merde. Ah. Et qu'est-ce qu'il fout lui? Arrête de faire de la merde. Voilà, le spam R1, toujours efficace. Aïe Pierrot, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Vous êtes si nombreux ce soir, c'est incroyable. Merci encore à vous, hein. Merci beaucoup.
Bon. On a tout fait. Ah, il y a un truc là-bas. Herbe de la demi-lune. Très bien ça, très très bon. Après, ils viennent vers toi ou pas? Non, ils s'en foutent. Je vais aller ramasser l'item. Oh, peut-être une vraie arme. L'épée, bâtarde. Oh, ne me dis pas que je suis trop faible. C'est quoi les prérequis? C'est marqué où les prérequis de l'arme? Attends, j'ai quoi? J'ai 14 de force, 12 de dex. Je comprends pas où sont les prérequis de l'arme. Va falloir que je m'habitue un peu à ce jeu. Hein. Ah non, attends, c'est peut-être pas les prérequis. Attends, c'était quoi? Non, vous êtes trop faible à une main. Utilisez-la à deux mains pour être plus efficace. D'accord. Ah, c'est carré, d'accord. C'est quand même génial que la touche carré ne soit pas écrite tout en bas. Ah si, attends, c'est écrit. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah faut le deviner, d'accord, ok. Très bien, et du coup, il me faudrait 18 de force pour la manier. Non, on n'aura pas les 18 de force, donc... Par contre, ça veut dire qu'à deux mains, on va faire du dégât. Hein. La Moonlight, on verra sur un autre build. La Moonlight, ce sera... Parce qu'il faut que je sache qu'est-ce qui augmente ses dégâts et tout. Hein. Attendez, vous croyez quoi? La Moonlight ultime, elle se fait pas du jour au lendemain, les amis. Hein. Ça demande de la compréhension. Ok, nice. Y'a quoi comme ennemi, là? Oh, putain, et on est encore trop lourd. Oh, j'en ai marre, un JPP, bordel. Oh, dis donc! Je t'ai demandé, moi, de... Voilà, de balancer ta lance de merde. Putain, je vais devoir reprendre la hallebarde, ça continue. Bonjour. Au revoir. Herbe de la demi-lune, bien sûr. Y'a pas des ennemis, là? Non. Oh, c'est osé, hein, mais non. Non, je vais d'abord activer le raccourci, et puis éventuellement, après, on retournera le voir. Hein. Ah non, mais là, je vais être obligé de me mettre en slibard, quoi. Et comme ça? Ah bah, putain. À poil, bon Dieu, à poil! Allez, tous à... Non, 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 pas tous à poil. Non, 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 remettez votre futal. Ok. Oh, tu peux backseat ce que tu veux, je connais le jeu, hein. Après, c'est juste que je connais pas les... Hop là, les spécificités du remake. Et ça gâche l'expérience pour ceux qui lisent le chat et qui veulent pas être spoil. Ils connaissent pas de jeu. Parce qu'il y en a qui connaissent pas de jeu. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait qui connaissent pas de jeu, puisqu'il était dispo uniquement sur PS3. Donc si t'avais pas de PS3 à l'époque... Oh, bon, super slip Puma, incroyable. Bombe incendiaire, très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, lui je crois il se fait pas sauter la gueule. Voilà. Oh mon Dieu! Oh le tir du mort! Il l'a tué en étant mort. Oh là là, la gâchette de l'homme mort. Wouhou! Il est mort. Également. En fait ici t'as pas grand chose à faire, hein. T'as juste à attendre. Ils tombent tous. Ah, je crois que là, il y a pas un ennemi là. Ah non. Par contre, il y a des grosses chaînes. Voilà. Et ça, dans le jeu sur PS3, de mémoire, tu passes à côté des chaînes. Tu sais, en fait, ton... les chaînes n'avaient pas de texture physique, je sais pas comment dire. En gros, tu sais, genre là, regarde, le mur, tu ne peux pas le traverser. Là, les chaînes, je ne pouvais pas les traverser. Mais sur le jeu sur PS3, tu pouvais les traverser, les chaînes. Donc c'était très bizarre et du coup tu te doutais pas quoi, tu pouvais les péter en fait. Moi je sais que la première fois je passe à côté, rien à foutre et voilà quoi. Ah, là ça va être compliqué maintenant. Putain, ils sont nombreux là.
Bon, là par contre, il faut se battre. T'as pas trop de choix. Ah! Oh putain, ils vont m'avoir. Je refuse catégoriquement. Okay. Ok, un de moins. C'est dur avec la térébenthine. Hein. Franchement, avec la térébenthine, ça rend les choses assez compliquées, je trouve. C'est genre, hey, le jeu était pas assez dur de base. Du coup, on s'est dit qu'on allait mettre de la térébenthine. Tiens. Oh, non, mais il est mort, frère. C'est terminé. Oh, excuse-moi, je récupère ça. Voilà, ça dégage. C'est bon, il n'y a plus personne. Évidemment, il y a encore un ennemi au cas où. Hein. C'est for good measure, tu sais. Voilà. Putain, mais il y avait combien de mobs? J'ai l'impression qu'il y avait plus de mobs que dans le jeu de base. Alors, l'effet des dégâts de feu, je le trouve magnifique. Après, peut-être too much. Peut-être too much, ça, je suis assez d'accord. Allez, la bague collante, comme ça. On a un peu plus de vie, on ramasse ça. Vieilles épices, vieilles bottes rapiécées, gants, charpies, haillons. Colifichet, cheveux en jade. Ah, excellent. Alors attendez, est-ce que je peux mettre éventuellement... Et... Ah non, je... Pourquoi je peux pas? Ah putain! Est-ce que c'est parce que c'est un... Ils ont gardé le truc... Alors en fait, dans Demon's Souls, ce qu'il faut savoir, c'est que les développeurs avaient la flemme de modéliser des armures pour les deux sexes. C'est-à-dire que t'as des armures uniquement pour les femmes et des armures uniquement pour les hommes. Et t'as quelques armures qui font pour les deux. Donc, ouais, c'est cool. Bon, on a 940 âmes. Je sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup. On va... Merde. On va se mettre un petit soin. Non, t'as pas envie? Oh, j'ai pas de points de magie. Bon, c'est pas grave. C'est pas comme si t'étais un perso de départ, que j'avais une arme moisie, et voilà. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est la hache de guerre broyante, comme ça, au moins, on pourra faire de vrais dégâts. En espérant que je puisse la manier, par contre. Normalement, oui, il faut 14 de force. Attends, combien j'ai de force? J'ai 14 de force, donc logiquement, je devrais être en mesure de choper la hache de guerre broyante après. Le sexisme de la flemme. Oh là là. Allez, on va aller voir ce chevalier rouge. Non, mais c'est juste que, voilà, tu sais, l'armure de femme, elle est modélisée, il y a des boobs, c'est terminé, mais... C'est juste qu'ils avaient la flemme de faire pour tous les sexes. Nous cassons le mobilier. Alors lui, normalement, il sera en mesure de one-shot. Salut Mika. Allez, c'est parti pour la première mort officielle de ce jeu. Parce que la mort du tuto, elle compte pas vraiment. Lui, il te poursuit jusqu'où? Jusqu'en oblivion ou pas? Fais voir. Jusqu'où tu me suis, mec? Ah, vas-y, go. Il me suit encore? Non, il me suit encore? Arrête. Arrête, il me suit. Oh, viens, on l'attire dans les escaliers comme un schlag. Ah, non. Non, non, il... Ah, si. Putain, il vient avec la furie et tout, hein. Putain, il arrive, hein. Regarde ça. Ma mission est de te tuer. Je vais donc te tuer. Vas-y, regarde ça, regarde ça. Oh non, oh non. Là, mes caisses, mon seul point faible. Oh non. Tellement ridicule, putain. Ok, let's go. Attends, il suit toujours? Et le tracking des ennemis est vraiment bon. Mais non, Ragnarok, salut à toi. Oh oui, la forme. On est sur Demon's Souls, PS5. C'est beau. Merci de ne pas spoiler pour ceux qui ne savent pas. Il est où? Et il est mort comme un gros cake dans les escaliers. Oh, le cheese. Oh, le cheese. Oh putain, bah oui, mais quand t'as 300 de QI aussi.
Herbe de la nouvelle lune. Allez! Et maintenant, on est bon. Oh mon dieu, mais oui. Oh mais oui, mais je me disais, mais il est où? Je le voyais plus, tu sais, j'étais là, mais il s'était épais. Oh bah merde. Oh bah il est tombé en attaquant. Très bien. Mais je voulais tester en fait le tracking des mobs. C'est bien dans le premier niveau, c'est de se dire, bon, jusqu'où les mobs peuvent me traquer. Putain, ça doit être la galère en speedrun, ça. Ok, bon bah très bien. C'est... C'était... Roberto! Oh merde! Oh oui, tricheur, oui, encore. Allez, on va aller voir ça. Ah bah oui, je peux pas. J'ai pas la clé. Mais ça me fait des âmes gratuites! Oh, ça fait des bonnes âmes gratos là, c'est bon! En vrai, on pourrait continuer le niveau. Mais ce que j'ai bien envie, c'est. Ah, mais non, mais de toute façon, il faut que je le termine. On va monter en level et puis on va revenir. On va peut-être faire comme ça parce que 3000 âmes. J'ai hâte de voir de combien de niveaux est-ce qu'on peut monter. On va voir. On va voir. Je voudrais monter en niveau. Allez, on va faire ça. La loyauté au combat a disparu. Tant que je lis pas un commentaire du genre « Bah alors, Raven, on a laissé sa loyauté sur PS4 On a vendu sa loyauté au combat contre une PS5 Ça y est, c'est ça le Raven 2021 ?» Mais putain. À une époque, tu faisais le jeu en NG+2, Serment des Champions sur Dark Souls 2. Tu as fait le Kirk Challenge à rouler sur les ennemis en faisant des dégâts de merde. Voilà. Et maintenant, on en est réduit à ça. C'est ça l'astuce. Ah, faut qu'il la phalange pour monter en level. Oh merde. Oh, quelle galère. Bon bah, let's go. Oh merde. Ça, c'est chiant par contre. Donc ça veut dire que là, il faut qu'on aille jusqu'à là-bas. C'est ça? Putain. Oh, le troll de SKX, quoi. Eh, franchement, t'as peut-être vendu ton âme pour une PS5, mais au moins, tu pourras jouer à Bloodborne en 60 FPS. Oh, wait, c'est pas vrai. Oh, wait, attendez. Non, en fait, le jeu est toujours lock à 30 FPS. Et par contre, Dark Souls 3, Dark Souls 2, Dark Souls 1, ils sont en 60. J'ai pas testé. J'ai juste lancé les jeux vite fait comme ça pour voir, mais j'ai pas... Quelle indignité. Quelle indignité, bordel. Et on a sub pour ça? On est... non mais on lui donne de l'argent sur Tipeee pour ça? Putain. Ah mais vous avez de belles vidéos, les gars. Quand même. Vous avez de belles vidéos. D'ailleurs, faut que je bosse d'arrache-pied demain pour la vidéo de vendredi prochain. Beaucoup de pression sur les épaules. Est-ce qu'on passe par là et on fait le truc en sens inverse? J'ai peur de mourir. Le Raven de 2011 n'est plus. Lequel? Celui qui crevait tout le temps et qui gueulait et tout le monde disait « On dirait Bob Lennon !» Je sais pas. Est-ce que ça me manque? Pas du tout. Ah, sur Skyrim, c'était quand même le bon temps. That was a bold leap. A surprise indeed. Well, now that you are here, pray thee, fend off these dreglings. Est-ce que ça marche toujours si tu le... Si... Ça marche toujours, tu crois, si tu lui mets un coup dans le dos? Est-ce qu'il va mourir? Tu sais... Regardez ça, la communauté restreinte du Booyah! Avec leurs épées en feu! À quand le face commentary? À quand une vidéo de Dark Souls 3 de 15h? Oh mon dieu, non, non... Ah, merde. Allez, vas-y! Porte tes couilles! Voilà! Tu vois, t'es pas si faible. Non, c'est bon, calme-toi, tout va bien, je suis là, regarde. My thanks for your brave rescue. Ah, de rien. I am Astrava of Boletaria. Accept this as a token of my gratitude. Oh yes, le bon vieux télescope en laiton. Et certains me diront,
Mais Raven, pourquoi un télescope en laiton? Ça va te servir à quoi? À rien. C'est vraiment juste, il est en laiton pour que tu puisses te le foutre bien profond. Ah merde. J'arrive! Je sécurise le kill. Tout va bien. Non, c'est bon, c'est terminé, au travail, c'est terminé. Calme-toi. Oh là là. Anikora, bienvenue! Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya! Ok, et là je n'ai plus d'endurance, donc c'est le... Oh putain l'enculé, il me met dans la merde! Oh foiré, il me met dans la merde. Voilà. Nice. Herbe de la demi-lune. Ouf. Putain mais j'ai failli crever comme un caca là. Lui il continue de s'en prendre plein la gueule, hein. Il s'est dit ouais hein, vas-y je vais... Tu dois pas aller plus loin toi? Ah non, plus loin c'est peut-être la sortie. Il prend l'aggro, moi ça me va. Voilà. Oh. On va refaire le tour après, on va refaire le tour. Là j'essaie juste de lui sauver la vie parce qu'il a l'air de pas y tenir. Et normalement je crois son tracking s'arrête par là. Et là normalement si tu lances une bombe tu peux faire de gros dégâts. Mais comme lui il s'en bat les couilles, il va y aller comme ça. Est-ce que tu crois qu'il peut mourir? Ah, ça se cassait ça avant je crois, non? Peut-être pas. Ah mais non, mais moi j'ai rien demandé, moi je regarde, j'ai du popcorn et tout, arrêtez. Est-ce qu'il y a un petit rallié? Vas-y. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fout lui? Il est con. Mais il devient cinglé, ça y est. Now I take my leave. There is something I must do. D'accord, ok. Et tu t'occupes pas des deux débiles qui sont derrière? Ah! Oh! Oh ce coup de maître! Oh ce coup de maître! Voilà! Éclat de pierre. Bon. Bah écoutez, pour l'instant ça va. Bien le bonsoir à Nikora. Donc attendez. Maintenant qu'on a fait ça, il faut qu'on revienne légèrement en arrière pour voir si nous n'avons rien oublié. Redevient le Raven qui forçait ses réactions et criait en devenir lourd. Non merci. Non merci. Pour tout, même pour tout le stonks du monde, non merci, vraiment. Je tiens à mes cordes vocales déjà. Ça j'avais toujours dit, hein, du genre, je crois que si j'avais continué là, sur cette voie-là, je pense que voilà, je serais aphone aujourd'hui. Oh, un petit cimetière, why not? Why not, why not? En vrai, tu sais quoi, un petit cimetière? Eh, moi je dis oui. Hein. Je veux voir les dégâts. Puis on pourra enfin avoir une arme à une main en fait. J'ai l'impression d'être là pour rapiner, tu sais. Alors, y a quoi sur lui? Très intéressant. Salut. Ok. Oh oui, bah oui, encore 15 mobs derrière. Bah oui. Oh, ça manque de pas avoir quand même un petit support magique, mais... J'ai dit pas de magie, alors pas de magie. Non mais tu sais, au moins pour... Enfin, ou alors avoir un arc, mais comme tu débloques pas un arc tout de suite... C'est con d'ailleurs, y'a pas une... J'ai pas vu s'il y avait une classe avec un arc. Je crois pas. Hein. C'est assez déloyal. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Pas mal. Ah ouais, cimetière, c'est cool. Je pense qu'on va garder le cimetière pour l'instant. Est-ce que j'ai parlé du build que j'allais faire aujourd'hui ou pas? Je crois que je l'ai dit en début de stream, non? Je sais plus. Tel un corbeau, il fouille les morts. Moi, je prends tout ce qui brille. Voilà. Les billets de 500 ne brillent pas, c'est dommage. Allez, hop. Putain, mais en vrai... Quand tu sais tout ce qui reste encore à faire dans ce niveau, moi, c'est du genre, j'aime pas, hein. Ok, âme du soldat inconnu, très bien.
que là, après... Mais ils ont rajouté des... Mais... Putain, mais le jeu est plus dur qu'avant, ou quoi? Je suis désolé, lui, il y était avant, lui. Bah, j'ai un sérieux doute, hein. Oh, j'ai un sérieux doute sur ce machin, moi. Bonne nuit, SKX. N'oublie pas la clé mort de foutre. Oui, bah oui. Évidemment, j'hésiterai pas à la jeter dès que je la verrai. Y'a le bonsoir, Conrad. Ok. Ah, la vidéo de 3h30 en bordel ciel. Ça, c'était bon, ça. Par contre, notre bouclier, c'est moi ou il est excellent? Vas-y, fais-toi plaisir, mon gars, fais-toi plaisir. Hein. Voilà. Oh merde! Oh non, j'ai attiré lui! On va aller tuer cet archer qui nous casse les pieds. Ah non, mais attends, il y en a plusieurs archers, je crois. C'était peut-être celui en bas qui me cassait les pieds. On va voir. On va déjà tuer celui qui est en haut. En fait, il y a tellement de choses à faire dans ce niveau, c'est incroyable. Ce niveau est immense. Frappe-moi encore! Putain, le détail des zones là, le toit qui brûle en face, c'est vraiment beau. Salut! Genre il a survécu, mais arrête de... Oh putain. Sérieusement? Là le jeu il me dit, eh non, tu pourras pas tous les tuer avec la gravité! Eh non mon petit! Bien tenté, mais non. Non mais c'est quoi cette résistance à la gravité? Voilà. Ici, normalement, il n'y a pas des mobs qui arrivent. Je confonds peut-être avec le monde 3, 1-3. Ou... Bah, tiens, est-ce que je confonds? Par contre, là, c'est. Ok. Pourquoi ils ont des haches et pas moi? Voilà. L'avantage d'avoir de la dex, c'est con, hein. Attends, par contre, maintenant, en vrai, je peux remettre une armure. Ouais. Ah, cool. Alors là... Oh, la discrétion, la discrétion, la discrétion. As-tu pris le temps de regarder ton temps passé sur Bloodborne? Oui, oui, je suis à 900 heures, à peu près. Oh, pop, 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 pop. Doucement, doucement. Mais d'où? Oh non, il m'a eu à la fin de la frame d'invulnérabilité, cet enfoiré. Je te jure que j'aimerais vraiment pouvoir m'entraîner sur les parades, mais pour l'instant, je vais me la jouer ultra safe. Et spammer. C'est bien de spammer. Oh, mes amis les corbeaux. Tiens, 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 bonjour. Oh, oh, ils t'ont pas raté, hein. Oh, cette tête dégueulasse. Good day to you. Care to look over my wares? Mostly stolen, but who's telling me? Ah, il a une épée longue. Il a la massue. Ok. Arbalète légère, lance courte. Bouclier de lémur. Ah, bourguignotte. Et l'armure de plate qu'il te vend. Why not? En vrai, c'est un bon set, hein, le set de plate. Hein. Vraiment, c'est pas dégueu. J'hésiterais presque à acheter les gantelets et les jambières, mais bon. Bah, il va nulle part. Dès que j'aurai tué le boss de la zone, il va se TP. C'est un semi-mensonge, là, ce qu'il est en train de nous dire, hein, les amis. Ok. Et ici. Là, c'est bien fait parce que le souffle de l'explosion ne le touche pas. Alors que le jeu sur PS3, t'as une énorme explosion qui évidemment fait ramer ta console. Parce qu'elle est en PLS. Et le mob, il est intact. C'est genre, il s'est pris une bombe nucléaire dans la gueule et tout va bien. Bonne nuit, Delta. Et merci encore pour les sub-gifts. C'est incroyable ce que t'as fait ce soir. Hein. Vraiment, merci beaucoup à toi.
Incroyable. J'ai oublié l'anneau. Quel anneau? Quel anneau? L'anneau du voleur? Je sais pas, il était censé me le looter, l'autre. Non, je l'ai, avec du voleur. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Wouhou! Ok. Continuons. Brrr. Brrr. Y a pas une boule qui reste? Non, tout va bien. Prenez mes grosses boules dans votre tête. Attendez, non, non, hors contexte, c'est dégueulasse. Mais en tout cas, prenez-les bien profond. Voilà. Alors ici, ça va être l'enfer. De mémoire, ça va être l'enfer ici. Voilà. Oh putain, les enculés! Oui, oui, oui! Effectivement. Un de moins. Non, j'ai dit que je tente pas les front stab maintenant. Non, non, je tente pas les stab maintenant. Alors là-bas, je sais ce qu'il y a. Il y a quelque chose ici, il y a des items à ramasser. C'est beau ici, hein. Putain, non, sans déconner, le jeu est magnifique. C'est vrai que c'est une sacrée claque graphique pour vendre des PS5, c'est vraiment... Et là, ils sont bien bleus et rouges. Ils étaient assez ternes dans les versions PS3. Très très ternes. D'ailleurs, le dragon bleu est une calamité sans nom. Hein. Dragon rouge, c'est une saloperie. Mais alors le bleu... En général, le bleu, peu de gens le tuent dans leur NG. Parce que c'est très compliqué, il est très compliqué à tuer en fait. Stop backseat Dark Souls PS5 s'il te plaît, merci. Je veux dire, je connais le jeu un petit peu, mais... Gentil de me le rappeler on va dire, mais c'est pas gentil de spoil ceux qui ne le savent pas. À partir de quand le dragon arrive? C'est suffisant pour le trigger? On dirait. Non. Ah, je crois qu'il faut que tu restes quelques secondes. Ah. Là, il est bon. Non! Oh, le troller! Oh, le troller ultime! Oh, je peux pas le croire. Putain, je peux pas le croire. Oh l'enfoiré, je vais devoir me taper tous les mobs maintenant. Putain, mais quel troller ce dragon. Maintenant je suis obligé de me taper tout le monde. Regarde ça, qu'est-ce que je fais moi? On peut défoncer les deux dragons effectivement. Putain, c'est avec le tracking des ennemis par contre. Voilà. Voilà, il est tout seul. Parfait. Attention, tu... Ah, ok. Non, non, mais c'était le vent. Non, non, mais je vais pas t'affronter. Hein. Tiens, je te brise les genoux, bien évidemment. Aïe. Quand tu veux, le dragon. Il faut faire quoi? Il faut attendre qu'il crache ses premières flammes? Il met du temps à arriver quand même. Bon, c'est bon là, tu... Voilà. Allez. Je sais pas jusqu'où il va là. Putain, il va super loin. Putain, mais merde, il revient direct. Oh le bâtard! Il revient direct! Il revient à la charge! Faut attendre qu'il. Il
faut attendre qu'il se barre. Mais regarde! Mais regarde l'enculé, il est dans sa boucle de mort! C'est bon? C'est fini? Oh putain! Oh! Il revient ou pas? Putain, je m'en souviens pas, oh là là. Attendez, hé, vous savez quoi? Avant de faire des dingueries de mort. Et vous êtes 169 sur le stream, hein, c'est vraiment énorme. On a je crois qu'on a battu tous les records ce soir. Merci beaucoup à vous d'être là ce soir, merci énormément. On a vraiment battu tous les records ce soir. Oh, elle est trop belle. Oh, l'arme est vraiment très belle. Est-ce qu'il se barre maintenant, bravo? Je sais pas. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on descend maintenant? Est-ce qu'on tue quand même les deux gardes au risque que le dragon nous crame la gueule? En fait, pour l'instant, il n'y a que le raccourci à déverrouiller, quoi. Donc, au pire... Est-ce qu'il revient? Allez, Alpha Cast, sois avec nous. Ok. Je sais pas s'il revient en fait. J'ai l'impression qu'il s'est barré. Ouais, bah tant pis pour l'item là-bas. Hein. Je veux pas tenter de mourir. Je sais pas, il revient pas. On va y retourner après, pour... attendez. Là, ce que je veux, c'est débloquer le raccourci. Et ensuite, à la limite, on explorera là où il y avait les deux dragons. J'ai tellement pas envie de mourir, en fait, parce que je sais qu'on peut mourir très facilement dans ce jeu, donc... Là, on va y aller progressivement. Voilà. Je me souvenais qu'il y avait des ennemis, mais... Attends, deux ennemis? Carrément. Putain, quel accueil. Voilà. Ici... C'est la térébenthine, ici, non? Est-ce que ce serait pas la térébenthine? Fab Kobe, bienvenue! Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah! La fameuse térébenthine, elle est là! On va pouvoir faire de bons dégâts pour le boss. Térébenthine. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces empreintes? Hop là. Non, je refuse. Je refuse catégoriquement. Oh, bah évidemment, c'est celui qui a le plus de vie qui vient vers moi en premier. Voilà. Attends. Je peux pas, genre... Mais je veux pas restaurer un grand nombre de PM, je veux juste un tout petit peu de PM. Tant pis, cramer encore une herbe. On va plus avoir beaucoup d'herbe à la fin, hein. C'est chiant. Va falloir qu'on en rachète parce que sinon ça va être très compliqué. Bah, là, il n'y a plus l'air d'avoir de mobs, hein, vu tout ce qu'on a tué avant. T'es sérieux, il y a encore des mobs. Allez, bye bye. Donc maintenant, je sais ce qui reste comme mob. Oh putain! Non, en fait, je sais plus. Eh oui. Il est mort? Mais bordel! Mais ils tombent tous dans le vide à chaque fois, c'est incroyable. Tant que c'est pas moi. Hein. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ha! J'ai évité ta salle, veut meurtrir. Oh, ils sont bien modélisés. Ils
Ça va être très compliqué de les passer, ces trucs. En fait, il faudrait que j'arrive à passer dans le dos. Mais comme il est dans un espace... Ah, c'est bon. Voilà. Putain, il est beau leur bouclier. Oh. Putain, ils ont fait un super boulot, en vrai. Je n'ai plus de PM pour mes... pour me faire mon sort de soin. Et les deux seuls items que j'ai pour... Enfin, le seul item que j'ai pour récupérer des PM, c'est pour en récupérer beaucoup. Or, quand tu vois ma barre de PM, ça fait un peu chier d'utiliser cet item, quoi. Éclat de pierre aiguisée, nice! Des herbes. Faut toujours avancer le bouclier. Oh putain. Lever. Voilà. Éclat de pierre aiguisée. Putain, il donne du bon loot, hein. Je sais pas si c'est l'anneau, mais. Herbe de la demi-lune. Et voilà! Amenville, bien le bonsoir à toi. Et le choupi-chou, bien le bonsoir. Ok, ok, on a 4800 âmes. On va pas faire le con, mais je vais quand même aller voir là où il y a les deux dragons. Je sais pas ce que tu peux te prendre dans la poire ou pas. On risque de gaspiller des herbes. Mais je préfère gaspiller des herbes plutôt que mourir, tu vois. Donc on va voir. Mais attendez, je voudrais juste voir un truc. Ah ouais. Putain, c'est un bon bouclier de départ, ça. T'as une réduction de 100% sur les dégâts physiques. C'est... Ok, très bien. J'avais oublié. Ok, bah j'ai juste le meilleur bouclier du jeu, en fait. Non, c'est faux, bien sûr, mais... Mais c'est un très, très, très bon bouclier. C'est un très, très bon bouclier, en tout cas. Merci, Andrius. C'est un très, très bon bouclier, en tout cas, pour le début. Pas de backseat, on avait dit. Ok. Ok, ok. Parce qu'en plus, c'est complètement con de backseat quelqu'un qui connaît déjà le jeu, en fait. Hein. C'est juste que ça fait 4 ans que j'y ai pas joué, donc forcément, j'ai oublié plein de choses. Mais en tout cas, oui, j'aime bien Demon's Souls de Amenzi. Oui, oui. Franchement, il est très beau. Il fonctionne bien. Le dragon rouge est revenu. Ah, c'est pas bon ça. Ça veut dire que je peux pas ramasser les items comme je veux. Mais ici il y a des trucs. Éclat d'archipierre. Herbe de la pleine lune. Bon, on peut pas explorer ici. Et il ne lag pas. Incroyable. Praise the sun pour Angelus. Voilà, donc là ça ne sert à rien, on pourra pas y aller. Lui il va nous cramer la gueule direct. Je sais pas si... Normalement il peut pas cramer les escaliers, mais bon au cas où on va courir. Allez. On va aller se faire la phalange. Je pense qu'il est l'heure pour le premier vrai boss. Parce qu'encore une fois... Bon, eh. Encore une fois, franchement... le tuto, ça compte pas, hein. On est d'accord. La mort de merde et tout dans le tuto, ça ne compte pas. Non, 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 non. Tu n'es ni. Allez. Bon, à votre avis, victoire contre la phalange ou je vais me faire complètement éclater, il va me one-shot En vrai, c'est possible hein, qu'il me défonce la gueule. Hein. Ne croyez pas au raven. Hein. Majestic. Yggdrasil Revan rejoint le culte du Booyah. Merci beaucoup à toi, Yggdrasil Revan. Merci énormément de resub pour ton 37e mois d'abonnement qui fait plaisir. Bien le bonsoir à toi. Et il ne faut pas que je lise le chat pendant que je descends des escaliers de la mort. Sinon, je vais tomber. La Moonlight est magnifique dans ce jeu. Ah, on verra quand on la débloquera. Mais comme j'ai dit, c'est pas un build de Moonlight. Hein. Calmons-nous. Alors, non, les âmes... non, on peut pas monter en niveau tant qu'on n'a pas vaincu ce boss. On a pas mal de bombes incendiaires, de térébenthines. Hmm.
Oh oui. Quel plaisir. Alors, premier avis déjà, il est 10 fois plus rapide qu'il ne l'était avant. Il est beaucoup, beaucoup plus rapide qu'avant. Aïe. Il ne reste qu'une bombe. Pas mal. Bon, on va réellement utiliser la térébenthine par contre cette fois. Bien la phalange. Taste the booyah. On dirait que je passe le balai, c'est quoi cette affaire? Oh oui. Bah voilà, first try, bien sûr. Et en plus, on récupère plein d'éclats. Oh bien. Oh merci pour cette pluie de GG, merci beaucoup. Bon, on l'a fait dans les règles de l'art, hein. On a passé toutes nos bombes incendiaires dessus, et térébenthine, et c'était passé, quoi. Mais il est beaucoup plus rapide que dans la version du jeu de base. C'est marrant, mais franchement, ça change un petit peu, parce que dans le jeu sur PS3, le boss est tellement lent que des fois, t'as l'impression qu'il vient même pas jusqu'à toi. Ok. Retournons au Nexus. Il y a plein de nouvelles emotes tout à fait que Drazil Revan. Fast and Furious, pourquoi je jouerais à ça? Pourquoi donc? Welcome back. T'as vu mes pieds? J'ai vu les tiens. The monumental awaits the above. Alors le choupichou, le PC est réparé, pas vraiment, mais en fait j'ai fait un test, un même test pour la RAM, et en fait il a rien détecté. Donc quel que soit le souci que j'ai, ça vient pas de la RAM, parce que la RAM est impeccable. J'ai fait un même test sur plus de 3 heures, et impeccable. The monumental will explain the nexus to me. Willander, bonne soirée à toi. Ok. Putain, elle aussi, les flammes. Franchement, je suis choqué de la définition des flammes en fait. Comme elles sont vraiment bien faites. C'est. Waouh. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Attends, on va ranger notre arme. On est dans le Nexus quand même. Un petit peu de respect. Alors franchement, ce remaster est d'une qualité incroyable. On a 7400 âmes. Je sais pas combien il faut pour monter d'un niveau, mais je pense que ça va être pas mal. Oui, oui, on se suicidera avant de monter dans un niveau, t'inquiète pas. J'y ai bien pensé. Mais d'abord, là, j'ai 7400 âmes, si tu veux, bon, voilà. We have long awaited you. Ah, c'est cool de voir qu'en 11 ans, 12 ans même, en 12 ans en fait, tu bouges toujours pas tes lèvres.
demons face. In the distant past, under benevolent rule, the world was united owing to the soul arts. Until a lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colorless, deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to its slumber. Yet only after the loss of innumerable souls, and most of the world, lost, erased by the fog. In order to mend the fabric of what land still remained, we entrusted precious archstones. One to the king of a small yet industrious land. One to the king of the burrowers underground. One to the wise queen of the great ivory tower. One to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. One to the shaman of the tempest-worshipping shadowmen. And the last to the great giants of the northern lands. The archers were placed in the fringelands that survived. We contained the Old One here below the Nexus and prohibited the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. Grâce au pouvoir des sentinelles, les quatre archipierres scellés sont maintenant accessibles. Now it is your turn. You must lull the Old One back to its slumber and seal it away for all eternity. If not, deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to bear this burden? Imagine, tu dis non. Game over. Ta sauvegarde est effacée. Salut. Yes. We are fortunate indeed to have you. Now, go forth and destroy every love. Bonne soirée, Lixexal. Merci d'être passé. Et Trasher, salut à toi. The Old One. Without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. Pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, c'est une redécouverte. J'avais déjà joué sur PS3, mais là, ça fait à peu près 4 ans, un peu moins de 4 ans que j'ai pas joué au jeu, donc il y a plein de choses que je me rappelle pas. Et pour le build, j'ai déjà dit, je vais aller choper mon arme préférée, mais qui n'est pas la Moonlight. C'est la deuxième arme que j'aime. Il y a une arme que j'aime vraiment beaucoup dans ce jeu, c'est juste que je m'en sers pas souvent parce que c'est une arme qui est pas top, mais. Mais je l'aime bien quand même. Tac tac tac. Alors. Toi. Oh, Alpha Cast. Mais merde, quoi. C'est... Putain, maintenant je. Une fois que tu le sais, tu peux plus voir autre chose. Ah, les pierres dimensionnelles, oui, je sais plus à quoi ça sert, mais très bien. Je sais qu'il y a la rouge pour les invasions, mais c'est tout. Hein. Art Stivel, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Et n'hésitez pas à aller voir le Tipeee Raven 2800 avec la commande Tipeee pour me soutenir, pour soutenir les activités Raven 2800 et avoir des infos exclusives sur ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà, des petits spoilers. Of course. Petits spoilers sur les prochaines choses que vous verrez, notamment des speedruns commentés sur la chaîne, bien sûr. Voilà, voilà. Velocina, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah.
Merci qui pour avoir fait penser à Alpha. C'est ça. Merci, Grid. Oh là là. Allez, rechercher le pouvoir d'âme. Alors, de combien de niveaux est-ce qu'on peut monter? Ah, pas tant que ça, en fait. Hein. Ah oui, mais c'est vrai que ce jeu... Je me rappelle maintenant. Ce jeu, tu montes pas énormément de niveaux, en fait. Tu galères à monter niveau 80, je crois, dans ce jeu. ...14 de vie, 18 de force... ...et de la dex. On fait ça? C'est pas mal ça en vrai. La stéatite blanche, c'est la pierre bleue... ...et la pierre blanche, c'est le cristal diviseur noir. D'accord, merci. Parce que je me souviens que de la rouge. Celle pour envahir. Voilà. Niveau 13. Monsieur Xeling, salut à toi. Oh mon dieu. N'hésitez pas à utiliser la commande Tipeee hein, sur le chat pour aller regarder tout ça. Ah, le Tipeee, c'est quand même beau. Il est quand même bien fait, il est bien foutu et vous avez quand même des news vraiment très cool. Alors, on va aller chercher la hache. C'est la noire pour envahir. La rouge, c'est quoi alors? Parce que la rouge, tu la débloques en tuant la... Bref, on va pas spoiler, mais on va aller chercher la hache. Merci beaucoup, petit bout de pain. N'hésitez pas du coup à suivre le lien Tipeee. N'hésitez surtout pas. Au moins pour regarder à quoi ça ressemble. Ça fait déjà bien plaisir. Le monde 2 quoi. Merde. Non. Putain de saloperie de lézard de mort. Mon loot. Et c'était le loot du Raven. D'accord, le loot il apparaît pas dans mon inventaire quoi. Oh putain, c'est flashy hein. Waouh. Classe. Je n'ai pas réussi à buter le boss tuto, non, je me suis fait ouvrir en deux. Il m'a coincé contre le mur et il m'a tout shot. Oh putain, il est bien réussi lui. Souls, I trade fine goods for souls. Mathézo, bien le bonsoir à toi. Lui, il vend quoi? Pierre à aiguiser, éclat de pierre. Oh putain, mais oui, je crois que... Attends, je crois que t'as de la durabilité sur tes armes. Ouais, 103 sur 120, putain. Dans Demon's Souls, en fait, il faut le réparer souvent. Enfin, faut réparer tes armes, comme dans Bloodborne, en fait. Bon, on y va. Ok, c'est bon. Majestic. Et Fraterniters, merci beaucoup pour le resub. Merci énormément à toi pour ton deuxième mois d'abonnement qui fait bien plaisir. Ah, le rouge, c'est les marques d'invasion. Très bien. Et comme quoi, je me souviens pas exactement des choses. Là, t'as des petites vibrations, c'est marrant. Je vous dis ce que je ressens également. Ok, yes. Alors lui, je me rappelle que c'était une sombre petite merde. Voilà, regarde les dégâts. Alors ça, ils ont pas enlevé. Oh merde, putain. Oh putain, s'ils arrivent en même temps. En fait, l'espèce de gros ministre, hein, ça s'appelle comme ça, normalement. Pourquoi il perd de la vie continuellement, lui? Je lui ai infligé du saignement? Ah, excellent! Bah alors, on craint le saignement? Faut pas que je meure, par contre. Sinon, ça va être très mauvais pour la tendance. Je ne peux rien faire, c'est très chiant.
La hache de guerre broyante. Yes. C'est bon. J'ai pas forcément besoin d'en faire plus dans ce niveau. Ouh! Le mob est limite plus long que le boss d'avant. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour ça que le monde 2, c'est un peu compliqué quand t'as des armes qui sont pas magiques ou des trucs comme ça. C'est pour ça que très souvent on te dit « Va prendre le fauchon du croissant !» Dans le monde 4, comme ça au moins t'es trop fort. Ouais, parce que eux, ils résistent à la mort aux dégâts physiques. C'est... Enfin, je crois que tu peux ban permanent Dark Souls PS5, hein, Angelus, hein, parce que s'il va nous spoil le jeu tout le long... Mais bon, je l'ai dit avant, donc ça va. Alors. Oh, oui. Oui, la petite hache. On va se tirer. Ok. On a récupéré le truc blanc qui colle quand même. Hop. Tac tac tac. On va retourner au Nexus. Mon armure commence à faiblir, j'ai l'impression, non? Le premier truc que le mec fait après son Théo, c'est de recommencer. Bah, écoute. Tout à l'heure j'avais dit 300 d'IQ, y en a, ils ont QI négatif quoi. Ok. On va réparer notre équipement peut-être. Réparer. Alors, on va réparer ça. Donc tout ça, on s'en fout. On va peut-être d'ailleurs le poser. On va déposer ça. Alors attendez. Je veux juste regarder si les dégâts des armes. L'épée bâtarde évidemment est meilleure, mais bon, de pas beaucoup, et la hache au moins je peux la porter. La halbarde finalement était pas si mal, hein, 95 de dégâts. Hein. Quand même. Hein. Alors la réserve, comment ça marche? Déjà, je vais te déposer mes éclats de pierre. Pour l'instant, je vais pas m'en servir. Je te dépose l'épée bâtarde, le brise-armure, la halbarde. Peut-être garder le cimetière au cas où. Talisman on garde. Et après le haillon ne me sert à rien. Ça me sert à rien. Ok. Ah attends, ouais, je t'ai pas parlé. I abandoned my wife and daughter and fled like a coward. When I came to, I was in this nexus. I haven't dared venture outside these walls since. I wish I could do more. But I am ignorant of the world beyond these walls. Son histoire est terrible, lui, quand même. That candle maiden cared for me during my first days here. She donc ça va le son, c'est nickel. Je crois que vous m'avez rien dit depuis tout à l'heure, mais apparemment tout le monde me disait que c'était nickel, donc je vérifie. Mais c'est vrai que le son du jeu est vraiment pas fort, en fait. Je suis obligé de monter les trucs au max, tu sais. Ouais, ce sera un truc assez quali, on va dire, pour la redécouverte. Ah non, attends, je crois que tu lui parles. Et je crois que c'est après, tu reviens, il va te dire hey, « Eh, attendez, ce colifiché !» Voilà. Ce petit peigne, il appartient à ma fille. Alors qu'on l'avait acheté à Carouf il y a 15 jours. She didn't make it after all. My dearest little baby. May she rest in peace. May I ask a favor? Bah écoute, ça me fait plaisir en tout cas, Xenosiders. Hein. Ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup à toi en tout cas d'être là. I'd like to have it in memory of my daughter. You're a saint. Bah, tu veux que j'en fasse quoi d'un peigne? Alpha Cast ne se peigne pas. Mais bordel, putain, j'en ai marre, on voit que ça maintenant. Oh putain, j'ai rien contre lui, mais c'est fou quoi. C'est fou. I found it discarded on the main road. It might look ordinary, but
seems to possess a strange power. Anyway, I feel that you should have it. It'll be happier in your hands. Bac de force herculéenne. Ça, c'est pour les objets. C'est pas forcément l'item qu'on voulait, mais... En vrai, il y a AlphaCast en face d'AlphaCast. les deux... Ah, mais moi, j'ai la bonne couleur des cheveux, tu vois. C'est ça, le truc. C'est ça, la petite différence. Alors, qu'est-ce qu'on se fait en premier lieu? Qu'est-ce qu'on se fait en premier... Parce que ici... quand t'as pas de magie, c'est quand même compliqué. Attends, mais d'ailleurs, j'ai même pas parlé aux autres personnes à côté. Quel impoli je fais. Mais voilà, t'as la nana, là. Avec son petit coffre. Oh, un dieu, cette tête. Toi, t'as pris cher entre le jeu PS3 et là. Hein. Oh, merde. Ah, je trouve que t'as pris cher. Hein. Désolé, mais t'as une tête carrée, ma pauvre. Oh, mon dieu, c'est Minecraft. Cette tête! Lui, on dirait, tu sais, la tête de poulpe dégueulasse, là! Oh, va Dieu! Oh, la putain de tête de poulpe, là! J'ai pas le nom! Ah, merde! Tu sais, tu compares souvent Hagrid du jeu Harry Potter sur PS1 à ça! Oh, mon Dieu! Des miracles, est-ce que j'en veux? Fais voir, t'as quoi? Évacuation, antidote, âme cachée? Non, merci. Ouais, mais t'as des sorts de merde, donc j'en veux pas. I have sinned. I swore allegiance to Saint Urbain, but was of no use to him. And now, qu'as-tu fait? I have run away and abandoned his... T'es con, toi? Je vous prête allégeance, mon seigneur, et puis se barre à la première occasion de danger. Oh, c'est formidable. C'est formidable, ça. Je vous prête allégeance, monseigneur. Attention, un danger. Et voilà, il se casse. Ah, c'est formidable, ça, par contre. Alors ça, c'est un bon. Toi, t'es qui? Un peu trop animé au niveau de la bouche. Bon. Mais en tout cas, la magie... Bah oui, j'ai pas de magie, alors... Je pourrais tout aussi bien le tuer. Alors, attendez. Avant de faire un niveau, déjà, et on va choisir lequel après... Juste, il faut que je me suicide pour repasser en mode spectral. C'est une obligation, c'est comme ça. D'ici, ça devrait le faire quand même. Absolument pas. Je suis beaucoup trop fort. Je ne mourrai pas aussi facilement. D'où est-ce qu'on peut tomber pour se laisser crever? C'est une alarme. Mon Mirail. Messire, messire! Putain, mais j'ai trop de vie ou je suis juste trop bon? Putain, mais c'est quoi ces dégâts de chute là? Crever, ouais! Putain, mais vas-y, je galère à mourir quoi! Ah bah là, ça devrait le faire quand même! L'autre il me regarde! L'autre il est là, tu sais! Putain! Bordel, moi j'étais là en train de forger mon truc. J'étais là en train de forger mes armes, je suis parti pisser 2 secondes et... Oh merde. Oh merde. Oh, c'est joli. Oh, l'effet est magnifique. Voilà, maintenant nous sommes sous forme spectrale. Par contre, j'ai pas compris, il y a un logo sous ma barre de vie, mais je sais pas pourquoi il y a un truc interdit ou je sais pas quoi. Je comprends pas trop le truc. Attends, est-ce que déjà je peux mettre des gants? Non, je peux pas mettre de gants. Dommage. Stonks. Putain, ce fameux Patrick Stonks. Alors, elles sont bien mes nouvelles emotes. Oh là là. Franchement, j'en suis assez fier. J'en suis assez fier.